pour le dernier haul solde d'été 2014 et j'ai donc fait quelques petits achats pendant la deuxième démarque. Je suis allée notamment chez Douglas où j'étais pas encore allée parce que j'étais allée déjà chez Sephora et Nocibé. Et je me suis dit, sait-on jamais, peut-être que Douglas, qui est une parfumerie qui est un petit peu moins connue que les deux autres, aura encore quelque chose d'intéressant à proposer. Et effectivement, j'ai quand même trouvé trois produits qui sont plutôt sympas et bien soldés. Alors, deux de la marque Lady Green, que j'avais vu déjà présenté sur des blogs, mais que moi-même, je n'avais encore jamais testé. Donc j'ai pris le Sublime Correcteur, qui est un stylo anti-imperfection, donc qui est censé assécher, purifier, apaiser. Alors c'était un produit qui au départ coûtait 13,40 € et qui était soldé à 50%, donc j'ai payé 6,70 €. Donc là vous remarquez, moi ce que j'ai adoré c'est le packaging qui est vraiment super joli je trouve dans cette marque. Il y avait d'autres produits également qui étaient soldés. Si ça vous intéresse, donc allez faire un petit tour chez Douglas. Et donc le deuxième produit que j'ai pris, donc il s'appelle Rituel Pureté. Et il s'agit d'une mousse nettoyante pour le visage qui est à l'aloe vera, au moringa et au citron. Elle était également soldée à 50%. Elle valait au départ 15,40 € et je l'ai payée 7,70 €. Alors à l'intérieur, le produit se présente comme ceci. Donc il s'agit d'un petit flacon pompe, donc je suppose que c'est un peu pareil que la mousse nettoyante visage du petit Olivier ou de Nivea que j'ai déjà testé. Donc voilà, je trouve que le packaging est vraiment sympa et il y a 125 millilitres de produit. Le stylo correcteur, je ne vous ai pas montré, se présente comme ceci. Et il faut tourner donc l'arrière du stylo pour que le produit sorte. C'est un espèce de gel transparent. Voilà, donc on verra s'il est efficace. Ensuite, j'avais vu sur le blog de Betty, du blog Betty Beauty Blog, qu'elle avait trouvé un rouge à lèvres Guerlain qui était soldé à 60%. Donc je me suis dit, tiens, on va quand même refaire un tour côté maquillage. On ne sait jamais s'il reste des petites choses. Donc elle, c'était chez Marionneau. Et à Avignon, les Marionneaux sont vraiment tout tout petits. Donc je me suis dit, tiens, peut-être qu'à Douglas, il peut y avoir encore des produits intéressants. Et j'ai trouvé donc un rouge à lèvres Guerlain. Il s'appelle Rouge L'Extrait, crème de rouge intense et mat, tenue d'exception. Et il était soldé à 50% quand même. Je l'ai payé 20,48 € au lieu de 40,95 €. Il se présente comme ceci. Donc vous avez en fait à la fois un rouge à lèvres, un peu dans le même fini que les lacs à lèvres d'Yves Saint Laurent. Et quand vous ouvrez, vous avez ici le petit logo, vous avez un miroir qui s'ouvre. C'est assez sympa. Et le produit se présente comme ceci, avec un petit pinceau mousse. Et la couleur, c'est un vieux rose, bois de rose, on va dire. Voilà, et donc le fini est plutôt mat, très intense, donc je trouve que voilà, ça c'est une super découverte solde quand même. Un rouge à lèvres Guerlain à 50% pendant les soldes, ça n'arrive pas souvent, donc j'étais plutôt contente. Donc voilà pour les trois achats que j'ai fait chez Douglas. Et ensuite je suis allée dans un magasin d'habits qui est assez cher, donc j'aime bien y aller pendant la deuxième démarque. C'est un magasin qui s'appelle Antonelle, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu le même genre de magasin que 1, 2, 3. C'est des magasins qui font assez chic avec des coupes très sobres. Et il y a beaucoup de tailleurs, de robes, de chemisiers. Et souvent, il peut y avoir des prix intéressants à partir de la deuxième démarque. Parce que sinon, c'est vrai que avant la deuxième démarque, c'est un peu cher. Et donc, j'ai trouvé ce petit haut. Voilà, qui a des petites manches un petit peu volantées et qui est tout en soie noire. Il est pincé derrière, donc ce qui fait quand même une assez jolie ligne, c'est plutôt flatteur. Et je l'ai eu à 50% et je l'ai payé 30 €. Et ensuite, belle découverte des soldes, je me suis acheté une robe de tailleur toute droite avec des strass au niveau du col. Et là, vous avez un tissu, mais qui est vraiment superbe.
À l'arrière, vous avez une couture verticale. Pareil devant. Une fermeture invisible sur le côté. Voilà, la qualité des finitions, elle est vraiment parfaite. Cette robe-là, je l'ai payée 64 euros. Elle était soldée à 40%. C'est une robe qui, au départ, valait plus de 100 euros. Donc, pareil, c'est quand même un achat qui est intéressant. Voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais trouvé pendant la deuxième démarque. Je pense que les soldes, c'est enfin terminé. Pour moi, mon budget est totalement épuisé. Je vous retrouverai avec plaisir dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt !